Clôture de la 13e session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kouilou. Le budget primitif du Conseil départemental du Kouilou, exercice 2022, est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 5 100 895 924 francs CFA. Comme vous venez de l'apprendre du procès verbal sanctionnant les travaux de la 13e session ordinaire du dite budgétaire du Conseil départemental du Kouilou, qui a pris fin ce 18 février 2022 à Luango. Ce budget qui a été adopté par les conseillers est la moisson des 10 jours des travaux qui leur avaient été accordés. Sous l'autorité d'Alexandre Maviala, président du conseil départemental du Kouilou, les élus locaux ont examiné les 9 affaires qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Clôturant les travaux de la 13e session, le président du conseil n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations aux conseillers pour le travail abattu. À cet instant pathétique de notre séparation, fier d'avoir accompli notre mission, trouvé par ce simple mot qui porte l'empreinte de notre optimisme, l'expression de mes vives félicitations. Vous en souhaitant à tous bon retour dans vos localités et à vos occupations respectives, je déclare clos les travaux de la 13e session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kouilou. Quel est l'intérêt de ce budget d'investissement pour la population du Kouilou? Ce budget d'investissement permettra au bureau exécutif du Conseil départemental du Kouilou d'achever les projets en cours, de finaliser le plan de développement local ainsi que PEDEL, d'exécuter de nouveaux projets et d'appuyer les initiatives coopératives dans les communautés urbaines et les districts.